Oh, Tellus, je m'adresse à toi. Je ne suis qu'un simple théurge. Et un changelin aussi. Mais je sais que du haut de tes cieux, tu ne regardes point ma race comme étant quelque chose qui me rend moins apte à répandre ta bonne nouvelle. Je m'adresse à toi ce soir car je suis perdu. Je suis une âme en peine. Aujourd'hui, nous avions la responsabilité, moi ainsi que mes deux comparses, Calmar et Tellus, de retrouver la pierre philosophale perdue par l'intendant Jean-Michel. Et nous sommes partis à la trace de cet individu qui l'aurait volé. Nous l'avons trouvé dans la grande tour de Minas Morgul. Et d'un seul carreau d'arbalète, Calmar, il l'a abattu. Sans sommation, sans quoi que ce soit. Ah, il nous avait décoché une flèche, mais c'était simplement pour nous avertir de ne pas s'approcher. Mais c'est ce qui s'est passé par la suite qui me troublait, qui m'a troublé et qui me trouble toujours. Jean-Michel avait volé la pierre philosophale afin de la rendre à un nécromancien mort-vivant du nom de Mordakan. Et celui-ci est apparu. Il nous a sommé de lui rendre la pierre. Bien sûr, nous avons refusé. Et alors il nous a envoyé son armée. J'ai bien essayé de défendre mes compagnons, mais il semble que j'ai encore besoin d'expérience au tir à l'arc. Je croyais être assez bon, mais pourquoi ai-je accepté En fait, oui, je sais pourquoi. Je veux découvrir, mais j'ai encore l'image bien claire de Mordakan dans ma tête et de sa main sanglante qui pendait à son cou. Sa voix me glaçait le sang. Il a fait un espèce de sort de... Oh, je n'ose même pas y penser, c'est glauque, c'est lugubre, ça ne devrait pas être, ça ne devrait plus être. À ce pauvre Calmar. J'ai tenté qu'en tant bien que mal de le guérir, mais ce soir, je l'ai laissé au bon soin de sa femme, qui, d'après les lamentations que nous entendons même d'ici, du feu de camp, je crois qu'elle se porte bien et lui aussi. Du moins, je l'espère. Et c'est probablement la seule chose qui m'apporte un peu de chaleur dans mon cœur ce soir. Je suis perdu, Tellus. Tout comme nous étions perdus lorsque nous sommes revenus de la tour de Minas Morgul. Je croyais connaître... Je croyais être habitué en forêt. Je pensais avoir la vision de... Mais... Encore une fois, c'est après une prière à ton endroit, Prios, que j'ai pu retrouver mon chemin. Et c'est pour ça que je crois encore en toi et que je m'adresse à toi encore. Permets-moi de continuer. Permets-moi de trouver le courage
de pouvoir mener à bien l'aventure de Messire Orgasmo. Je te remercie de nous avoir envoyé la théurge Tesla. Elle est d'une grande aide et je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Et le destin m'a mis une lance entre les mains. Comment puis-je interpréter cela, Telos, Prios? Je ne suis pas un soldat. Dois-je le devenir? Dois-je m'entraîner afin d'oxyre les mécréants à coups de lance? Dois-je laisser tomber l'arc et les flèches pour une lance? Je crois que je vais m'inscrire à la garde. J'ai beaucoup à apprendre. J'essaie de résister à la tentation autant que possible. Mais ce soir, c'est trop difficile. Un des gardes m'a offert de la couenne, un sac de couenne de lièvre et je n'en peux plus. Oh oui. Non, c'est bon. Non. Non, je ne peux plus. Je dois résister. Ah. Je ne sais pas comment je trouverai le sommeil ce soir, Prios. Je t'en supplie. Réchauffe mon cœur comme ce feu de camp réchauffe ma peau en ce moment. Et gloire à toi, Prios.